welcome to play with us any freaking time. Nous avons parlé un petit peu de le créole, je sais qui vient de Sicilia, un petit village d'ici. Je dis, mais je join in, et puis, tu sais, ça ne me gêne pas, moi. C'est différent? Un petit peu, oui. C'est dur à comprendre? Oh non, non. Il y a quoi, c'est quoi qui est différent, par exemple? Oui, je ne vais pas dire tout couri, tout vini, quelque chose comme ça. $5. J'ai 5 piastres, mais dès que c'est différent, je ne sais pas. J'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. J'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. J'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. J'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. Moi, j'ai 5 piastres. Dis pas les qui m'ont dit. Dis pas les quoi j'ai dit. Dis pas les ça j'ai dit. Dis pas les ça m'a dit. Dis pas les ça j'ai dit. Dis pas les quoi j'ai dit. Dis pas les ça m'a dit. Dis pas les ça m'a dit. Ma femme a parlé en français un peu. Parce que comme je dis, c'est une différente langage. Moi, elle en parlait différent. Je suis chanceux. Je voulais bien comprendre les différentes. Je ne connais pas exactement comment prendre, dire ça. Je peux le dire en anglais, dialecte de français. Okay. Il y en a un là, tu vas 8000 du sud d'ici, à Sicilia, ou Henderson ou Pombro. C'est différent comme jour et nuit. S'il est pelle, il y a assez l'hiver ranger le char. Il va ranger le char si ça paye assez. Il va ranger le char si c'est payé assez. Il va ranger mon char s'il me paye, si je paye assez. Il s'est arrangé le char si c'est payé assez. Il a rangé le char s'il serait payé assez bien. Il a rangé le char si vous donnez assez l'argent. Il s'est arrangé le char si tu payes assez. Il a rangé son char s'il le paye assez. Et je peux chanter puis danser vraiment bien. Oh, il peut danser puis chanter bien, bien. Il peut chanter et danser justement bien. Chanter et danser bien. Il peut danser puis chanter bien, bien. Oh, il peut chanter et danser beaucoup bien. Il peut chanter puis danser bien. Tu peux aller pas plus loin que en Sicilia. C'est différent. Et comme à Crouch Spring. C'est différent. Ça fait différents dialectes. Yeah. Et comme à Cross Springs, c'est un mélange de cajun et puis créole. Il n'y a pas un tas de différence, mais il y a un petit peu de la différence. Oui. Il y a une femme qui est bossée même. Femme, c'est bassette. Elle est une femme qui court, qui bassette. Mais une femme qui coûte. Elle écoute. C'est une petite femme bassette.
Les cours. Elle est une petite femme courte. Elle est une petite femme courte. Il y a la femme qui est bien courte. C'est une petite femme. Une petite femme courte. J'aime comme on a des visiteurs parce que ça donne à les gens qui ne font pas de voyage, qui ne vont pas trop loin d'Arnouville, pour attendre les différents accents. Comme le Québécois, c'est différent de nous autres, les Cajuns. Et parfois, je peux voir qu'il y a des questions sur leur figure. Ça me dit qu'ils ne sont pas prêts à comprendre cet accent-là. Allons à la grosserie. Allons au store. Allons à la grosserie. Allons au magasin. Allons courir à la grosserie. Allons courir au store. Allons courir à la grosserie. Allons au magasin. Let's go courir à la grosserie. Allons à la grosserie. Nos chars est rouge. Mon char est rouge. Notre char est rouge. Et notre char est rouge. Mon char c'est rouge. Nos chars c'est rouge. Mon char est rouge. Notre char rouge. Notre char est rouge. C'est un vivre bien simple. C'est justement une autre personne qui parle en français. Et, il va donner la. Il va, enfin, pour moi, un vrai Cajun, c'est une personne qui va te donner la main si tu l'as besoin. Il va te donner à manger, il va t'emmener où tu vas aller. Il va t'aider n'importe quel moyen il peut. Un Cajun, c'est vous qui n'êtes pas fier. Oh, oui. Bonne answer. Il n'est pas fier. Ça, c'est vrai. Parce que notre du monde qui arrive ici. Ah non, je connais le monde ici. Non, je reste ici depuis, je reste dans le village ici depuis 55. Ah non, 57. Ah non, je connais le monde ici. Un étranger arrive ici et il essaie de faire comme s'il est above everybody. That's it. C'est pas la peine d'essayer de faire comme si tu es mieux que les autres. Ça le spot carrément. Un Kajasta, oh, c'est un bon vivant qui aime faire des. qui aime raconter des blagues, moi, hier, comme notre ami Bill hier soir. C'est pas tous les Cajuns qui parlent en français, mais ce sont des. Ils ont une joie, et ça s'amuse bien. Et la famille, c'est toujours important. La religion pour Jean, des gens, c'est important aussi. La moyenne des autres parle, la moyenne des autres cuit, manger, la moyenne des autres prie. Des affaires comme ça. Pas un temps et tant de différence. On approche tout pareil. Moi, je suis une femme créole. Je suis née ici. Et moi, je l'aime parler créole comme on peut parler créole. Et je crois que tout quelqu'un autour d'ici peut-être comprendre un petit brin créole. Si tu peux, comme on dit avant, si tu peux parler de l'anglais, si tu peux parler créole, tu peux courir et t'as les places et puis parler créole avec différents mondes. Je trouve un monde créole qui a un tas si blanté, pour d'autres mondes, caring, pour d'autres mondes. Il y a un tas patience, un monde qui parle créole, un monde parle créole, il parle vite. Comme on va dans Houston, il dit, je connais où toi tu es. Tu es from Louisiana parce que tu parles créole et puis tu parles vite. Les monde créole parlent vite et je ne connais pas peut-être c'est même. Toi, ici, il y a un créole ici, tu vas à Pomero, il y a un autre. Parce que tous les petits villages, il y a un petit différent. Un créole, tu sais. Ça cuit différent, ça parle un petit peu de différence. Un homme de couleur qui parle français. C'est ça, moi, j'ai compris. Mon papa, ça restait à Boucheville, de ta plaie, c'est moyen comme le créole. Ça, c'est le monde en couleur. C'est comme ça, les autres parlaient, je disais,
plutôt des chugons au village. C'était des mokouri au village. Et mon papa parlait comme ça avec ses frères. Mais là, quand moi, je parlais, mon papa, il parlait pas comme ça. Et je parlais avec mes oncles, les autres pas parlaient. Mais ils étaient assez habitués entre frères. Ça croyait l'autre, c'est que la seule moyen de parler. Ça fait c'était Mokouri, Movini. Mais ça, c'était moyen comme un slang, moyen. Je ne connais pas tout comment ça arrivait et c'est mêlé. Mais je crois que ça a commencé plutôt dans la New Orleans, on appelle la ville, où, là où les créoles arrivaient, les Spanish, et puis ça a développé un autre moyen de préparer le manger et de parler. Quand il parle, quand il ouvre sa bouche, je me connais, quand il commence à parler, c'est lui qui est créole. On t'a élevé créole. Dans le petit village de Cecilia et puis Hanneson, il parle créole. Mais pas mon mari était resté à Sunset et puis il était tout le temps pour me parler l'autre moyen. Et maintenant, tu préférais parler Cajun ou créole? Cajun, d'après moi, c'est parce qu'il y en a plus qui parlent Cajun. Mais comme je comprends, c'est différent. Tu comprends? C'est pareil comme toi, tu es from French. From France. Tu vas parler les mots, c'est comme ça, toi tu parles French, et puis moi je parle créole. Je ne vais peut-être jamais parler bon French comme toi tu peut-être à jamais parler bon créole comme moi. Mais nous comprenons l'un et l'autre. Et si nous comprenons l'un et l'autre, nous pouvons faire les affaires ensemble. Comprends? Mais je ne crois pas un meilleur que l'autre. On fait pas, moi je ne crois pas. Parce que la langue la go ahead. Elle ne veut pas s'arrêter. Pour un bout de temps, ça semblait comme si on n'aurait pas pu être français. Et on ne veut pas s'arrêter. On veut ça go ahead. J'aimerais bien que ça continue. Mais... Ouais. Ça va go ahead. On a plus de sens. J'aimerais le voir. Un jour peut-être. Mais je vais toujours parler comme Cécilia. Je vais parler comme je veux. Moi, je vais parler comme Cécilia. Comme je dis, c'est toujours les États-Unis. Hein. C'est tous les bons français. Je vais parler comme je veux. Ouais. Quand j'ai premier venu en Nouvelle, tu ne connais pas comment j'ai eu pour. J'ai pas eu pour juste apprendre à parler l'anglais. Il fallait que je parle français. Ouais. Quand j'ai venu en Nouvelle. Parce que j'ai trié vraiment parce que je parlais comme le monde de Cécilia. Ça fait que je forçais assez pour apprendre à parler comme le monde en Nouvelle. Aujourd'hui, que je suis plus vieille, je dirais, tu connais quoi? Ma langue aussi bon que les autres. C'est vrai. Mais je comprenais comment je tapais des pieds. Ça ne fait rien, Yushu. J'étais née dans la maison là où on parlait français, puis c'était naturel. Je ne connais pas ça. On n'a jamais fait un effort pour apprendre à parler français. C'était juste ça, on fait des. Dans le premier grade, ma maîtresse, c'était Madame Minnie Roy. Et puis elle m'a dit au commencement qu'elle ne comprenait pas français, ça fait que je parle en anglais. Ça fait qu'on a appris. Ils ont nous fait des honte devant le monde parce qu'on parlait français. C'est... Qui c'est pas... vous a honte? Les maîtresses ont été punies. Toi, t'es puni? Oh, tous les jours, parce que je ne pouvais pas garder ma bouche fermée, je voulais parler. Puis je parlais français. Ça fait que j'étais punie. Faut être au bout des doigts, mettre à genoux. Et ça disait, Rita, I told you not to speak French. But I couldn't help myself. Quand j'étais à l'école, dans le premier livre, on t'a défendu de parler français à l'école. Ça fait. Laisse-moi dire, on a appris vite à parler anglais parce que la maîtresse nous punissait si on parlait en anglais. Et ça fait. On a appris vite. Je ne voulais pas mes petits parler français. Ah ouais? Non, non. Parce que je ne voulais pas y être puni à l'école comme moi, j'étais puni. Ça fait que je ne voulais pas y parler français. Mon habitude,
quand j'étais jeune, je croyais pas que j'étais assez bon. Puis je disais ça à mon maman. Et là, elle a commencé à me dire des histoires de monde, de différents du monde qui étaient bien, bien dans l'argent et ça parlait en anglais. Après, on a dit tout ça. Là, je marchais avec ma tête en l'air parce que mais elle m'avait dit, guette, pas de parler, je peux te dire ça à toi, répète pas ça. Ça fait, c'est ça que j'ai fait. Là. Quand j'étais à l'école, ils avaient passé une loi dans la Louisiane que c'était criminel pour parler français. Ça fait. Dans l'école? Dans l'école, oui. Ils ont bûché si on parlait l'anglais dans l'école. Ma première langue, c'était le français. Je ne parlais pas l'anglais du tout. Ma maîtresse d'école m'a montré l'anglais dans le premier livre. Ça fait au bout du premier livre, je commençais à parler en anglais. C'était difficile, c'était dur à apprendre. C'était bien difficile parce que mon idée pensait le français. Ça fait pour commencer, quand tu parles l'anglais, tu penses de l'anglais. Quand tu parles en français, tu penses en français. À l'école? C'était dur. Je croyais juste le monde riche parlait l'anglais. Je croyais le monde qui parlait l'anglais, c'était riche. Pourquoi? Je ne connais pas. Puis là, quand j'ai commencé à parler l'anglais, je n'ai jamais venu riche. J'espère toujours. Elle avait un appel au téléphone, quelque chose d'important. Elle me montre, est-ce que tu compterais l'argent à ce monsieur qui attendait? Et oui, je vais avec l'argent pour lui compter. Et je dis bonjour, comment ça va? Et il me dit, ça va bien. Et je prends compter 20, 40, 60, 80. Il dit, arrête. Je ne suis pas aussi bête que ça que tu as besoin de me compter en français. Ah, oh, mais j'ai dit, monsieur, c'est pas parce que vous croyez d'être bête. C'était pour mon plaisir. C'est un monsieur qui a été puni pour parler le français à l'école et puis il avait fermé cette porte. Là, il ne parlait pas français, il ne voulait pas l'entendre. Et oui, il avait pris offense que je lui comptais son argent en français. Je l'ai jamais oublié, hein, parce que ça m'est arrivé qu'une fois. Et je l'ai fait souvent. Tu crois que ce serait une bonne chose si les enfants dans la Louisiane apprenaient à parler français? Oui. Qu'en faire? Parce qu'on a besoin de préserver la langue française. Oh, mais je trouve que ce serait bien bon. Je t'apprends français à l'école. Et je vois aujourd'hui que j'ai fait une erreur pour les montrer à parler français à la maison. Parce que quand tu as des jobs, tu vas, ah, t'as pour connaître. Si tu connais pas les français, tu as une meilleure chance à ton job. Et pour moi, c'est un honneur qu'on ait parlé le français. Pour moi, c'est un gros honneur. Quand même, je parlais créole, puis ils se foutaient de moi parce que je parlais créole. Aujourd'hui, je suis proud pour dire que je peux parler. Pour moi, j'aimerais voir la langue cadienne continuer. Bien sûr, c'est comme ça que j'ai été élevé. C'est ça que je suis plus habitué avec. Je ne vais pas te dire c'est mieux, mais... Pour moi, autoricide, j'aimerais voir ça continuer. Mes petits-enfants, même s'ils sont dans des programmes d'immersion, ils ne vont jamais parler le français comme moi. Parce qu'ils sont montrés à parler en français, peut-être par une Belge, une Française, un Africain, un Canadien. Parce que nous n'avons pas fait assez de professeurs de français en Louisiane encore. J'ai des amis, oui, qui sont professeurs, mais ce n'est pas toutes nos écoles qu'a des Louisianais qui parlent, qui sont professeurs de français. Alors, ça ne va jamais être le même français que le nôtre. That's what I think. Mais quand même, c'est un français, je trouverais ça bien, n'importe français. Quel français tu penses les petits ils doivent apprendre? Mais ils vont apprendre à parler comme nous autres, notre langue, oui.
Oh, yeah. Oh, yeah. N'importe quoi, ça t'apprend en français, si c'est la France. Ils vont parler comme nous autres. Mm. C'est avec nous autres. Je vois des gens de pitié. Des gens de pitié qui vont commencer une conversation avec moi en français. Je trouve ça si joli. Oh, yeah. Et peut-être la vie avait mode, yeah. Mm. Comme ça. La bassine du Chef-Falaya. Elle est belle, pas rocher si grande. Ces rivières couronnent du sud les cypriens de ma Louisiane. Le parlement, Jean Lafitte, marché, la zone vente, les cadiens. Papa a planté des cannes pour notre vie. Qu'au fait, j'ai parti. Ma belle Caracoula, assise sur le bord de cette bassine. Un tas de notre famille qui est parti là. Mes racines et mon cœur. La levée entoure cette belle bassine. Plusieurs cyprières dans les fours. Les ours, cocodrilles et les serpents. Laisse pas personne traverser dedans. Tous les soirs, dans le bois, les panthères, leur cri, ça me donnait les frissons. J'espoir retourner à notre vieille place, va jamais la quitter. Ma belle Caracoula, cette bassine, un tas de ma femme qui est partie là. Il reste mes racines et mon cœur. Beautiful Caracoula, sits right on the edge of that swamp. Though my tree and my branch are gone now, my roots and my heart still belong. It has made us sin in mon cœur. Merci.